Sale fils de pute. Oh, par contre, pas de dispute, ah, ça me saoule. Ah non, non, pas ça. Ah, ça va mal se terminer. Comme ça, c'est mal terminé avec elle. Oh, j'ai la tête dans le cul. Oh, l'enculé! Oh là, oh là, oh là. C'est passé quoi là? Oh là là. Ah, Londres est tellement moche. Qu'est-ce que c'est pas beau? C'est moche. Fouillez partout! Drone en mode recherche. Ah, pour le coup, c'est des vrais reflets, hein, je crois. Ah ouais, c'est des vrais reflets. Hein. C'est du vrai ray tracing. Enfin, en tout cas, c'est des vrais reflets. Des vrais de vrais. C'est pas du mytho. Revenir au menu principal. Normalement tout devrait bien se passer, il n'y a pas d'écho, ça devrait aller cette fois-ci. Non, je... Nouvelle partie. Oula! Ça a l'air nul à chier. Définitive, non. Non mais... 9 h. Avec ce putain d'écho de merde que j'aurais pu éviter. On est d'accord qu'il n'y a pas d'écho là, bordel de cul. Tout va bien. Londres, quelle ville! L'histoire à chaque recoin, et les touristes pour la photographier. Les pubs où coule la bière et la joie, la musique, le théâtre, les œuvres d'art. Ce mélange de cultures. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre, et une seule nuit pour finir en miettes. Quel est notre statut? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley?
Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter plutôt que de faire quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine? Demandez à un ordinateur d'analyser les sentiments, quelle bonne idée! Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. C'est rond pour Non. Attends. Non. D'accord. L3 pour se baisser. Ce que n'a pas fait Cyberpunk, hein. L3 pour se baisser, bordel de cul. Après la mise à jour, ils ont fait... Ah, si on faisait comme Ubisoft. Et on appuie sur L3 pour se baisser. Ouais, bande de cons. Sécurité du périmètre rétablie. L'entrée sud est sécurisée. Leurs profils sont lourdement chiffrés. Je n'ai rien pour les identifier. Des fantômes dans le système. De la merde. Et voilà. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Fais-toi discret, Dalton, ça nous rendra service. S'ils me tirent pas dessus, je leur tire pas dessus. Ça te convient? Ouais, c'est ma manette qui déconne. D'EdSec par ici. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi? Quoi? Comment ils ont pu mettre la main dessus? Je sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que d'EdSec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. Explosifs par ici. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le Parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley? Pas tout à fait, mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachie de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire. Je vais voir.
merde. Abandonne. C'est parti. Bagley, c'est pas le détonateur, ça? Non, mais c'est un transmetteur qui communique avec un dispositif à l'étage du dessus. Très probablement le détonateur que nous cherchons. Veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. J'ai un peu fait de la merde. C'est pas grave. La chambre des communes. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. Déconne. Fais chier. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé. Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée. On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux, je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça, je comprends bien. On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir tendu. Merde. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. Merde, j'ai oublié d'amorcer. Ouvrez l'œil, il est pas loin. Il est là. Ça avance, Bagley. Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance. Bagley, dis-moi que tu y es presque. J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en pataugeant dans des téraoctets de code en trompe-l'œil. Pourquoi ça tombe sur moi? Oh! J'ai eu! Non! Oh! Oh! Ah, non, ma chiasse! Je sais quoi, ça! Je me suis fait tirer dessus! Je dois mettre un couvert! Empirer notre situation. Non. Je me plante.
Pas de problème. J'ai besoin de votre enveloppe physique et vite. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a trois emplacements à gauche. L'un d'eux est le récepteur. Vous devez retirer le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi ! Je ne me fous de personne ! Retirez le fil ! Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagley, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. Wow. C'est quoi tout ce que je vois là? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Bugs. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans le monde. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Si vous pouviez l'atteindre... Je pourrais tout arrêter. Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite, sur le toit ! Sabine, qu'est-ce qui se passe ? On nous attaque. C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Nom, lieu, opération. Ok, on va le faire à l'ancienne alors. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et pars-toi de là. Merde. Ok. J'en ai fini avec Bagley. Te voilà seule. Dalton, si ça tourne mal... Tout ira bien. On se retrouve au point de rendez-vous. Promis. Bonne chance. Je prends des munitions, j'en ai pas besoin. Impressionnant.
nous aider lors d'une mission capitale. Quelle mission? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La peste, le grand incendie, le Blitz, peu réjouissant. Mais la destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. C'est l'heure d'un reboot complet. Dieu. Instant, une série d'explosions a dévasté trois sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais... sur les trois sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre Dedsec. Le groupe terroriste fait une démonstration de force. Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de Dedsec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Dans les milieux londoniens. Et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Camden. Grâce à la prolongation signée du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées via le déploiement. Dans certains médias, les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. De fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation Dedsec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant le capitaine. Les faits ne laissent absolument aucun doute. J'ai besoin de réunir une équipe. Mais je peux pas rebooter Dedsec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ici Claire Waters. Et cette semaine, dans les flibustiers, nous parlons de Dedsec, le groupe activiste soupçonné de terrorisme. Un certain Colin nous appelle. Colin, t'en penses quoi ? Moi, je dis depuis des années qu'on aurait dû arrêter Dedsec pour les mettre en prison. Ben, maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve ? Mais regarde la TOAN ! Regarde notre ville ! Il te faut quoi de plus comme preuve ? Eh bien, Colin, je pense qu'il faut songer à leurs actions non violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que Dedsec depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Émilie en ligne. Émilie, quel est ton avis ? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à Dedsec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais naturellement, ça passe mal aux infos. Dedsec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Que penses-tu de tout ça ? À mon avis, Dedsec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, Dedsec te fait plus peur que les gangs londoniens, comme le clan Kelly par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le Parlement. En
Ensuite, nous parlons au roi de la crypto. Bonjour, pourquoi un pseudonyme ? Ah bah obligé. On va pas les aider à nous retrouver en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Comment ça, ils ? Le gouvernement ? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats ? Oh, mais le gouvernement, il a pas travaillé tout seul ! Ils sont tous dans le coup ! Albion, les politiques, les sœurs, Bloom, l'autre taré de Sky Larsen, jusqu'au Premier ministre ! Ils veulent tous nous maintenir dans la peur, nous soumettre en contrôlant nos esprits, nous rendre totalement inutiles. Et quand on sera mort, ils vendront notre corps. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, roi de la crypto ? De vivre en sous-sol, de se planquer sous la terre pour éviter les signaux électriques. Y a que ça. Merci aux auditeurs qui ont appelé et merci encore de me suivre dans ma quête de la vérité. La semaine prochaine, les flibustiers se pencheront sur le groupe Albion. Qui sont ces hommes et ces femmes payés grassement pour défendre la ville ? Est-ce qu'ils nous protègent ? Est-ce qu'ils protègent Londres ? Ou les intérêts de quelqu'un ? C'était Clearwater. Salut à toutes et tous. Rendez-vous la semaine prochaine, mes petits pirates. Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. Qu'est-ce que c'est que ces persos tout claqués au sol, là ? Ben surtout les gonzesses. Ils sont dégueulasses, les gonzesses. Oh là là. Mais quelle catastrophe. C'est vraiment de la merde, hein. Ah, ça me casse les couilles. Il n'y en a aucune de bien. Tous les persos sont pourris. Putain, mais... quelle sélection de merde. Non, elle, c'est même pas la peine. Pas qui prendre. Oh là, ils sont tous nazes. Ils sont tous tout pourris. Bon. Je sais pas qui prend, c'est tellement de la merde. On va prendre lui. Oh non, pas alors, dégueulasse. Tiens, lui pour le lol. Et lui. Il a une voix. S'il a une voix toute déformée, ça va me saouler.
Contente de te voir en vie. Si tu veux toujours soutenir la cause, DedSec a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. Ok. Ah putain! Il y avait un mec juste derrière. Grignoter la carcasse d'une Angleterre autrefois libre. Bien. Salut les bestioles, ici le cafardeur. Moi c'est Andy et elle c'est Alice. Aujourd'hui, on va faire mine que tout va bien. Voilà, et c'est fini. C'était sympa. Je pouvais pas tenir plus longtemps, une seconde et demie. Allez, on retourne dans le monde réel. Et ce soir, on va enfin pouvoir tester la toute dernière update de Cissey. L'appli du gouvernement qui remet au cœur de la vie publique une grande tradition anglaise d'énoncer les gens qui ne vous reviennent pas. Ambiance cours de récré. Grâce à Cissey, plus que jamais, la délation est au goût du jour. Vivre en Angleterre n'a jamais été aussi chouette, vous n'êtes pas d'accord? Plus besoin de râler quand tes voisins passent de la musique trop forte. Dénonce-les tout simplement à l'État et offre-leur, disons, un séjour tout compris à l'hôtel Cass. La chaîne hôtelière bien connue autrefois sous le nom de Prison. C'est quoi leur slogan déjà? Si ça va mal, je le signale? Ou si je pense qu'à un moment ça risque d'aller mal, je le signale? Ou j'aime pas trop sa gueule, alors hop, je le signale? Bon, on va l'examiner cette nouvelle vie. Oh putain! Déjà, d'entrée de jeu, l'interface est adorable. Design ultra clair, avec un bouton tout simple pour dénoncer son prochain, beaucoup plus clair que les applis non gouvernementales comme Mouchard Mobile ou Poucaf.com. On va tester ça direct tous ensemble. Il suffit de géolocaliser la personne qui vous énerve. Voilà, on n'a qu'à l'appeler Alice au hasard. Désolé Andy, j'étais déjà en train de te signaler. Quoi? Pour avoir soupiré un peu trop fort devant une affiche de Nigel Cass. Non, laisse-moi te signaler d'abord, s'il te plaît. Qu'on fasse les choses un peu proprement, là. Je prends une petite photo vite fait, pour qu'un drone puisse t'identifier pendant la prochaine manif, ou quand tu feras du shopping, ou une petite balade en forêt. On peut entrer nos accusations directement sur l'appli, mais on va se la jouer à l'ancienne. On va appeler la hotline. Voilà le numéro, chers auditeurs. Balancez qui vous voulez, du moment que c'est pas moi. 203 807 38 32. Et les enfants, n'oubliez pas de demander la permission de celui ou celle qui paye les factures avant d'appeler. Ouais, je voudrais signaler mon co-animateur Andy qui anime une émission satirique pour se moquer du gouvernement. Rapport au fait qu'il se moque du gouvernement, en fait. Ah, et aussi une fois, il a laissé des miettes de biscotte dans le beurre. Oui, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai une suspecte pour vous. C'est Alice, ma co-animatrice. J'ai des preuves accablantes. Je l'ai entendu ricaner hier en voyant passer un véhicule d'Albion. Ah, et elle dit qu'elle préfère les pigeons aux drones de Bloom. Alors que moi, franchement, jamais un drone n'est venu chier sur mon pique-nique. Ah, mais attendez, c'est pas tout. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais je tiens ça d'une source sûre. Alors notez bien. Elle est en possession, non pas d'une, mais de deux trompes de fallope clandestines. Allez donc savoir ce que c'est. Si on m'avait donné une crypto chaque fois qu'on a signalé mes trompes de fallope, ça m'en ferait 3. Avec le taux de conversion, ça fait 12 000 livres sterling quand même. On vous tiendra informé de nos éventuelles arrestations et incarcérations dans le prochain épisode. N'empêche, Alice, j'adore ce système. Plus la peine de détester en silence ses voisins, ses collègues ou même sa famille. Maintenant, on peut les balancer et passer à autre chose. Mais attention aux effets pervers. Je vous rappelle que dans une famille, les parents et les enfants se disputent. Et ça, c'est normal. Et dans notre belle Angleterre actuelle, attendez-vous à vous faire balancer par vos mioches. Alors autant les balancer en premier, de manière préventive, comme on dit. C'est quoi le numéro déjà? Il faut que je les rappelle. Oui, bonjour, c'est encore moi. J'ai un nouveau suspect. C'est mon fils, en fait. Il range jamais sa chambre et en plus, il se lève tard. Il écoute de la musique interdite par le gouvernement, très fort, et il prépare en secret la chute du régime et la restauration de la démocratie. Vous passez à la maison? Voilà, toutes les corvées quotidiennes deviennent patriotiques. Tu refuses de passer le balai? Je te dénonce.
Problème résolu. Si tu fais même pas la vaisselle, comment tu veux qu'on procède au nettoyage ethnique de l'Angleterre? Vous écoutez le cafardeur sur les flibustiers. Le cafardeur. Bien. Avant de se quitter, Alice, j'aimerais revenir un peu sur ce qui nous manque le plus depuis que tout a changé. J'ai envie de commencer avec notre ancien drapeau. Ce bon vieux Union Jack, je pensais pas le regretter, mais d'une certaine façon, le nouveau drapeau me tape encore plus sur les nerfs. J'arrive pas à savoir pourquoi. Je sais pas si c'est à cause des nouvelles couleurs ou parce qu'il symbolise la perte de tout ce qui nous tenait tellement à cœur. En tout cas, ce drapeau m'énerve, mais à un point... Ce qui te tenait tellement à cœur, c'était l'Écosse. Oui, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, oui. Moi, ce qui me manque, c'est les mariages organisés en Italie. Et surtout, de pouvoir dire qu'on pouvait pas y aller. J'allais quand même pas dépenser une fortune pour faire la fête sur un yacht à Sorrento. Je prenais toujours un malin plaisir à répondre « Oh mais non, moi j'ai pas les moyens ». Maintenant, tout le monde se marie à Brighton et on m'oblige à aller sur la plage. Mais il y a que de la pierre sur cette plage. Et c'est pas une plage, c'est ton château de sable, c'est un vrai château. Je vais te dire ce qui me manque à moi, le libre arbitre. Tu te souviens de ça? Ou alors c'était une illusion? Peu importe après tout. C'est l'argent liquide qui me manque. Les pièces, surtout les pièces. Le plaisir de tirer à pile ou face en 5 fois pour décider d'aller ou non à la salle de sport. Et puis en 7 fois ou en 9, je suis pas souvent allé à la salle de sport. Avec la crypto, le pile ou face a tout perdu de son charme, disons romantique. Voilà, le romantisme, ça me manque. Cette part de mystère dans les rencontres. Aujourd'hui, je croise les doigts pour que mon crush aille pas pirater les infos que le gouvernement a sur moi. Allez, à la prochaine, les bestioles. Continuez de nourrir le chaton de la Résistance et un jour, il deviendra un T-Rex qui avalera la famille de Cass tout entière. Je précise que c'est une métaphore. Le cafardeur. La voie objective de vos objections d'apparence. Télécharger un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à DedSec. Tu devras faire la manip toi-même. C'est pas bête d'avoir fait un système comme ça. On peut faire confiance à personne, pas vrai? Au moins, il a pas une voix modifiée, ça fait plaisir. Voilà, c'était que ce bordel là. Pourquoi j'y arrivais pas? Et avec Sabine, c'est ça? On se recroisera en bas alors. C'est ce que tu voulais. Allez, c'est parti, on y va. Les temps de chargement sont hyper longs. Sabine ? Bon, où est-ce qu'on allume la lumière ?
empreinte DedSec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Oh, c'est bon. J'ai le droit d'être ici. Le mot de passe, c'est... Sabine qui m'envoie. Sabine est vivante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bagley, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister DedSec, et je constate que j'ai été hors service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau DedSec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué. Voilà, je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archives et... Oh non, le groupe terroriste DedSec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolf est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Ça ressemble à un complot, Bagley. Qui est derrière les attentats, alors? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à DedSec. Venez à mon terminal, Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir, les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. Merde, c'est dingue! T'as eu de la chance de t'en tirer! J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville, et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. Ouais. À ce sujet, je suppose que là, si je décide de vous rejoindre, je serai moi aussi dans le viseur, non? Sabine, tu comprends bien que c'est chaud. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si DedSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? De toute façon, je suis là. Autant continuer. Allez, c'est parti. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez DedSec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques équipements indispensables à votre panoplie de DedSec. Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement.
Ils sont très bien, tes nouveaux jouets, mais c'est important de connaître les bases aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant Albion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Championne de boxe amateur, qui plus est. Allez sur le ring d'entraînement. Elle vous apprendra quoi faire quand quelqu'un vous balance un coup de poing. Je descends tout de suite. Le temps de m'échauffer. Avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. Comme ça, oui! J'aurais pas fait mieux. Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Ouais, bien joué! C'est ça, continue! Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. J'aurais pas fait mieux. Ouais, tu tiens le truc. Femme battue. Il y a un domaine où vous avez encore des progrès à faire. La socialisation. Vos coéquipiers sont arrivés. Pourquoi n'iriez-vous pas leur faire un brin de causette ? Bienvenue dans l'équipe. Fantastique. J'ai enfin trouvé ma place. Ça va comme tu veux ? Dis, j'ai vraiment ma place ici. Et si mon recrutement avait été une erreur? Je ne sais même pas comment est censé se comporter un membre de DedSec. Tu sais, pour apprendre, rien ne vaut un plongeon direct dans le grand bain. Maintenant que vous avez bien sympathisé, Sabine a deux mots à vous dire. Bravo l'équipe! Ravi de voir la planque à nouveau bien remplie. La seule façon d'éviter que Londres sombre dans l'oppression totale, c'est de reconstruire la résistance. On doit recruter, former et récupérer notre arsenal. Les gens rêvent de se révolter et de récupérer leur ville. Alors c'est à nous de leur montrer que DedSec se bat à leur côté. C'est super tout ça, mais moi c'est les gros exploiteurs que je veux faire tomber. T'oublies les mercenaires fachos qui font la loi dans les rues? C'est toute la ville, eux, qui dominent.
Pendant ce temps, les gangsters du clan Kelly se gavent en récupérant les carcasses de tout ce qui reste. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les hackers de Zero Day sont toujours là aussi. Ils ont déjà éliminé DeadSec et ils risquent fort de réessayer. Je pense qu'ils ont posé les bombes et piégé DeadSec. Grâce à votre aide, je compte bien élucider ce mystère. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. On arrête de parler et on libère Londres. Putain, il y a deux persos, ils ont la même voix. Super. Faites chier. Voici le premier point à l'ordre du jour. Les services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, ont développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Inacceptable. Non, il faut lui dire qu'il n'a pas le droit de faire ça. Écoute, c'est pas possible, c'est la troisième fois. On a un peu de service après-vente à faire, si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes DeadSec maintenant. J'ai localisé une recrue potentielle assez prometteuse. Elle prétend s'être récemment échappée, et je cite, « d'un labo super louche ». Ce que je ne peux pas vérifier, bien sûr, mais ses capacités sont bien réelles. Eh ben, elle se laisse pas emmerder, elle. On la recrute, d'accord ? C'est ce que j'ai pensé. D'où qu'elle vienne, elle ferait un atout précieux pour la Résistance. Je vous planifie un rendez-vous. Je vous ai marqué une potentielle recrue. Et par recrue, j'entends un fou furieux masqué qui vient de pirater notre canal optique et qui prétend que c'est lui le chef. C'est le privilège de l'ancienneté, ma gueule. C'est qui, là-haut? Vous voyez le genre d'Olibrius? Il a un CV qui colle. Alors donnez-lui quelque chose à faire, n'importe quoi, pour qu'il me lâche la grappe, d'accord? Bien. J'ai repéré une nouvelle recrue potentielle. Mais vous devez me promettre de ne pas vous faire dessus quand je vous dirai qui c'est. Continue. Il semble que le seul et unique Aiden Pierce est arrivé à Londres et ce serait un ami de Connie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'elle ne connaît pas? Eh ben, il a pas l'air d'avoir peur. On a besoin de lui dans notre team. Comment je suis vénère. Allez. Il se passe quoi exactement? C'est comme ça qu'on salue son nouveau boss? Allez, ça va, je déconne. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de chef chez DeadSec. Considère-moi un peu comme un grand frère, un peu cool, mais qui fait un peu fantasmer. Ça pue, là, ça pue vraiment. Hé, je ne suis qu'un homme qui se présente humblement devant vous pour vous demander de me laisser éclater des têtes de méchants avec une masse. J'ai eu tort, c'est ça? Allez-y, jugez-moi. Ah, la merde! C'est ok. Putain, yes! À la prochaine, truc. Je sais pas c'est quoi ton nom. Très bien, que tout le monde se calme. Discutons entre personnes civilisées. Voilà, c'était pas la mort. Pitié! Dis-moi que t'es avec DeadSec. Parce que si t'es pas avec eux, ça voudrait dire que je suis complètement folle. Je suis avec DeadSec. Ouf, putain. Déjà, j'avais eu du mal à sortir de cet endroit horrible. Et là, il y a un Bagley qui me contacte. Mais genre, limite mal poli. Le truc pas réel, tu vois. Mais j'ai pas déliré, hein. Ok, du calme, je peux peut-être t'aider. Respire à fond et dis-moi ce qui t'arrive. J'en sais rien. Je suis toute embrouillée, là. Faut juste que je me calme 5 minutes. Le Bagley chelou a dit que vous aviez une planque, non? Je vous aiderai de là-bas. Bienvenue dans l'équipe. Un mec que je connais a dit à un autre mec que tu cherchais DeadSec. Je sais qui vous êtes. Vous vous cachez au grand jour, mais la plupart des gens savent même pas ce qu'ils doivent chercher. Tu vas sûrement trouver ça dingue, mais je crois que tu colles pas mal avec l'esprit DeadSec. Écoute, jouer collectif, ça a jamais été trop mon truc. Mais je vais rester un moment ici. Et puis j'aime bien votre copine qui tient le bar. Je lui filais des coups de main avant. Un contrat par-ci, par-là. Je peux faire la même chose avec vous, si ça vous dit.
Ah ouais. J'espérais que tu répondrais ça. On se revoit sur le terrain. Et salut Connie de ma part. Officiel, c'est comme des dick pics que le gouvernement nous envoie. J'ai rien demandé et j'y crois pas. C'est pris sous un angle pour que ça ait l'air gros et tous les pigeons qui tombent dans le panneau méritent la déception qui les attend à l'arrivée. Leur sondage, elle dit, c'est du pipeau. J'en ai lu un l'autre jour qui disait que les canalisations de Londres étaient en bon état. Mais c'est faux. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des technologies pour m'espionner à chaque fois que je vais aux toilettes. Il y a une caméra CityOS planquée sous mon tiroir à culottes. Un drone des médias terrorise les oiseaux dans mon jardin. Et j'ai un mal de chien à avoir de l'eau chaude. Tant qu'on parle des drones des médias, ils sont vraiment partout maintenant. Le gros avantage des drones des médias, quand même, c'est qu'en tant que robots inanimés, ils ont plus d'humanité, de compassion et de dignité que les journalistes humains qu'on voyait avant. Et une boussole morale beaucoup mieux calibrée. Mais moi, c'est les intrusions qui me tapent sur les nerfs, Alice. Je suis dans le showbiz, après tout. Non, mais regarde-moi dans ce donjon sans fenêtre. Je suis dans le showbiz. Et c'est horrible pour moi, tous ces drones. Savoir que je suis filmé 24 heures sur 24, tous les jours. Je dois toujours faire gaffe à être bien coiffé, maquillé et à porter des fringues que j'ai jamais portées avant. Bref, on a tous notre fardeau. On en est à un point où ils ont installé tellement de caméras à CityOS, je sais pas où ils vont foutre les nouvelles. Par-dessus les autres, tu vois, des caméras qui filment d'autres caméras, comme un influenceur sur les réseaux sociaux, tellement dans son délire qu'il peut plus se brosser les dents sans se faire monétiser. Bah, c'est l'aboutissement logique de n'importe quelle société, non? Où tout devient une caméra qui filme une autre caméra. Non, mais très honnêtement, j'ai depuis longtemps laissé tomber l'actu et le monde réel. J'invente mes gros titres moi-même. Avec du papier et un stylo. Tu te souviens de ces trucs-là? Papier-stylo, ça c'était chouette. Et je ponds uniquement les gros titres que j'ai envie de lire. Je bricole mon propre journal. Voilà ma une du jour, tiens. Une crotte de pigeon sur votre pare-brise peut vous rapporter des millions, affirmé le Mountfan Bilderberg, Karaoke Night, chancelier de l'échiquier chargé des finances et du trésor. Tiens, attends, j'en ai une autre. C'est parti. Le premier ministre renfloue les caisses de l'Angleterre en troquant toutes les propriétés royales contre des haricots magiques. Oh papa, après tout, notre grande nation ne peut pas rester les bras croisés. En voilà une autre. Scène de liesse dans les rues. L'Angleterre signe un marché de 864 trillions avec la Bolivie. Voilà, construisez un monde meilleur. Le gouvernement précise que seuls les gentils pourront légalement vendre trampolines, centaures et vaisseaux de guerre à la nation enclavée d'Amérique du Sud. On va bâtir une Angleterre plus belle. Tiens, une dernière. Le climat fake news, affirme un scientifique les pieds mouillés. Inventez le monde dans lequel vous voulez vivre. Ce sera... Si vous vous sentez débordé ou que vous voulez souffler un peu, n'hésitez pas à passer la main à l'une de vos nouvelles recrues. À vous de voir. C'est ça l'avantage de travailler ensemble, plutôt qu'en solo. J'y suis. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance. Accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone.
cadavre ici. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Préparation des données Airbrak CityOS en cours. Cool! Ça me paraît bien d'avoir une version perso pour chez moi, histoire de faire des recherches, tout ça. Vous avez raison, il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zero Day. Mince, je n'arrive pas à cloner ce truc sur nos serveurs. Ok, accédez au réseau ici, qu'on voit à quel endroit nous pourrions en voler un. CityOS localisé. Ah ah ! Les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG, et je leur ai piqué le manuel d'installation du système. Alors profil bas, vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag. Je me doute qu'on va pas nous filer cette technologie aussi facilement, pas vrai, Bax? Le programme est hébergé par un serveur situé sur le toit du QG des Sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau d'EdSec et cloner ma propre version. Attends, le serveur est sur le toit? T'as un plan, j'espère? On doit trouver quelqu'un qui a accès à un drone de chantier pour trimballer ce truc dans les airs. C'est l'occasion idéale de recruter un gros bras. Alors, tu sais où je pourrais trouver ce genre de personne? Du genre costaud, avec un drone de chantier? Allez, on enfile sa casquette de réflexion intense. Qui à Londres pourrait bien avoir accès à un drone de chantier? Pourquoi pas des ouvriers sur un chantier? Tu m'aides pas, là! Ce n'était pas si difficile, si? Il y a un chantier de construction en cours pas très loin. Sans trop m'avancer, je dirais que vous devriez y trouver des ouvriers à recruter. Je vous envoie les coordonnées. Papier, la monnaie. Ils ont d'abord remplacé le papier par du plastique. Et maintenant, le tout digital, complètement dématérialisé. C'est clair, ça avait un côté sympa de pouvoir prendre un peu de liquide sur soi. D'après moi, l'événement déclencheur pour l'Angleterre, c'est quand la livre a chuté de 10 points en une seule saison. Les gens en marge de la société ont commencé à utiliser la crypto-monnaie. Et plus la confiance en la livre baissait, plus celle en la crypto augmentait. Parce que, au final, c'est beaucoup plus stable. C'est comme ça que la tendance s'est complètement inversée. Et ensuite, le pays est entré en récession. Les start-up ont vite compris les avantages de ce nouveau modèle financier. Les devises traditionnelles étaient converties en crypto et ça a ébranlé tout le secteur financier. Tu te souviens quand les premiers distributeurs de crypto sont apparus? Ouais, c'est allé super vite du jour au lendemain. Ils en avaient installé littéralement partout. Et sans consulter les autorités, sans demander l'accord de personne. Mais les gens ont tout de suite mordu à l'hameçon. C'est la même technique que Bloom a utilisée pour lancer les études. Ils ont inondé les rues avec des appareils gratuits. Salut les résistants, c'est vers le Cap-Arlé. Hé toi, tu peux me dire ce que tu fous dehors là? J'attends. Rappel, il est interdit de faire la loi, je vais t'apprendre. Ok, ok, j'ai plus. Son profil a l'air prometteur.
Perso, je sais pas faire la différence entre un tournevis et un marteau. Mais ces gros drones, là, ça pourrait nous servir. Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. Je peux avoir un peu d'air? Non. Eh ben, t'as qu'à me pousser. Non, non, c'est relou. Oh, regardez-moi cette bête de drone. Enfin, cette personne a l'air compétente aussi. Allez, bouge! Je le répéterai pas! Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. Je peux vous aider. La ville est pourrie, tu trouves pas? Ça t'intéresse pas d'essayer de changer tout ça? T'es avec Detsec? Oh, mon Dieu, ouf! J'ai besoin de vous. Je peux rien te promettre, mais on va essayer. Dis-moi tout. J'ai contracté un prêt auprès des Kelly pour payer des factures. La pire erreur de ma vie. Avec les intérêts, je leur dois 3 fois plus d'argent et je me retrouve obligée de travailler pour eux. Si tu me sauves, promis, je te revaudrai ça. C'est bon, t'inquiète. Je vais mettre ta mécanique en marche. Si on ne fait rien, le clan Kelly va user notre nouvel ami jusqu'à la moelle. Ce chantier sert à blanchir l'argent d'une section du clan Kelly opérant à Camden Market. C'est là que doit être stockée sa dette. Entendu. Au respect de notre vie privée et accepter d'être sous surveillance constante. Le gouvernement a rendu les optiques obligatoires, mais c'était pas vraiment la peine. Enfin si, en le faisant, ils ont juste rallié les derniers réfractaires. Si des kilos de data gratuits, ça n'avait pas suffi à te convaincre, la peur de te faire arrêter pour défaut d'optique, ça a fait le job. De quel problème de vie privée tu parles? Tout le monde s'en fout de ça, maintenant. Personne ne s'en fout, on n'a juste pas le choix, vu que c'est comme ça que les optiques fonctionnent. Oui, c'est pratique et c'est aussi obligatoire. Mais faut pas oublier ce que ça cache vraiment. Une grosse entreprise. Je vais où à qui je parle. Même si je fais rien de bizarre, quelqu'un peut quand même pirater mes données et s'en servir pour me faire chanter. Et comme Bloom est sous contrat avec le gouvernement, lui aussi, il voit tout ce que je vois et il sait... Vous n'avez pas le bon outil pour travailler? Vous pouvez échanger votre gadget contre un autre plus approprié à la situation. Là, je crois vraiment que tu noircis un peu trop le tableau. C'est pas si terrible. Non, c'est là que tu te trompes. J'ai simplement pas envie d'être traqué partout et tout le temps comme ça. Alors, dans ce cas, les rumeurs qui circulent devraient t'intéresser. Punaise, les Kelly ont complètement envahi le marché. Depuis quand ils sont organisés comme ça? Et aussi gros? Vous cherchez un terminal ou un genre d'appareil sur lequel le clan Kelly stocke soigneusement ses registres de dettes?
C'est quoi ce délire? Les drones observent les moindres faits et gestes des gens, au point qu'ils ont parfois l'impression de vivre dans une ville-prison. Mais cette mauvaise nouvelle pour les citoyens en est une bonne pour DedSec. Vous pouvez pirater ces petits casse-pieds et les utiliser pour faire du repérage. On se disperse. Faut trouver cette ordure. Première personne. Je vais voir ailleurs. En fait, j'ai modifié un peu les aventures. Avant... avoir des problèmes. Ils peuvent me repérer même quand je suis à l'extérieur. C'est quoi ce délire? Même quand je suis à l'extérieur, ils peuvent me repérer. Il y a une mise à jour ou quoi?
tirer comme ça. Allez, on va pas y passer la journée. Ok, je vais le retrouver. Rien. Je continue de chercher. Alors, sale enfoiré. Ah, oh, merde, je l'ai perdu. J'abandonne. Effacer toutes les occurrences de sa dette. Vous tirerez notre nouvel ami de la panade financière et surtout des griffes du clan Kelly. Impeccable. Transfert terminé. La dette dont t'as parlé, on s'en est occupé. Tu dois plus rien au clan Kelly, mais fais gaffe la prochaine fois. Waouh, j'avoue que je suis surprise. Merci, vous êtes vachement plus sympa que ce qu'on raconte sur vous aux infos. Tu vas sûrement trouver ça dingue, mais je crois que tu colles pas mal avec l'esprit d'être sec. Je suis partante. Il a beau être moche... Le gameplay est vraiment stylé, comme tous les jeux Ubisoft, presque tous. Sauf Lapin Crétin de mes couilles, mais bon, ça c'était une erreur de parcours. Bref.